Merci d'être venus nombreux ce soir pour rencontrer et échanger avec Patrick Boucheron, que nous sommes très heureux de recevoir ce soir dans le cadre des rencontres Éco organisées par CapScience et la librairie Mola autour de son nouveau livre Quand l'histoire fait date. Patrick Boucheron, vous êtes à la fois professeur au Collège de France depuis 2015, spécialiste d'histoire médiévale, et vous menez une réflexion sur ce que peut l'histoire, ce qui était d'ailleurs le titre de votre leçon inaugurale au Collège de France. Vous avez, parmi vos nombreuses qualités, un goût marqué pour les aventures collectives, où se croisent à la fois les points de vue et les savoirs. Et on y reviendra, puisque ce livre, quoique signé de votre seul nom, et vous y insistez beaucoup, est une aventure collective à plusieurs titres. Alors, au nombre de ces aventures, il y a évidemment l'histoire du monde au XVe siècle, paru en 2009, qui est un livre tout à fait fascinant, et puis l'histoire mondiale de la France, en 2017, qui a connu un écho considérable, et qui a permis aussi de poser à nouveau frais, comme le fait ce livre, la question de ce qu'est une date et une chronologie dans l'histoire. Alors, avant d'être un livre, ce livre qui paraît aux éditions du Seuil en coédition avec Arte, était, comme vous le savez, j'imagine, une série de 30 épisodes diffusés entre 2017 et 2020. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que vous n'avez pas fait le livre de la série, vous n'avez pas fait le beau livre de fin d'année, plein d'images, avec peu de texte, qui reprendrait les visuels de la série. Vous avez essayé de réinventer justement une forme proprement livresque, et on en reparlera aussi, puisque la question de l'image est une question qui traverse considérablement ce livre. Alors, peut-être pour commencer, justement, ce livre s'inclut dans quelque chose que vous nommez l'histoire publique. C'est-à-dire le fait que l'historien, qui par ailleurs a toujours une spécialité, intervient aussi et raconte une histoire ou des histoires. On verra aussi la dimension narrative qu'a ce livre. Et cette question d'histoire publique, elle est pour vous très importante. Et elle est, semble-t-il, importante dans son lien avec la télévision, comme on ne dit plus, et avec l'idée qu'effectivement, vous avez retrouvé avec cette série une certaine forme d'utopie. Alors, quel est son mot pédagogique, vulgarisatrice, dans la mission de la télévision? Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à l'origine de ce projet de Quand l'histoire fait date? Oui, sans doute. Merci. Merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez fort bien dit. Il y a là sans doute une ambition d'histoire publique qui se souvient qu'il fut un temps où la télévision portait un espoir, et plus qu'un espoir, des pratiques, en somme, de mise à disposition du savoir, de démocratisation, pourquoi reculer devant ce nom, de la connaissance. Après tout, c'était un professeur au Collège de France, médiéviste, Georges Duby, qui avait eu l'idée de créer une chaîne culturelle franco-allemande qui ne s'appelait pas encore Arte, qui s'appelait La 7, qu'il avait dirigé, qu'il avait préfiguré puis dirigé. Et on a un peu perdu, surtout les générations plus jeunes, on a un peu perdu cette idée puisque d'une certaine manière le web nous renvoie dans un monde de texte, et que la télévision a eu cette ambition là. Et donc pour moi, l'histoire publique ne peut pas ne renonce à rien. D'ailleurs, puisque je parlais de Georges Duby, j'ai eu la chance de l'étudier jusque dans ses manuscrits, lui qui effectivement voulait multiplier les adresses, élargir les audiences. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile d'écrire pour le plus grand nombre que d'écrire pour celles et ceux qui composent votre lectorat professionnel, et qu'il y mettait beaucoup plus de soin. Si bien que lorsque Marc Bloch disait « je dois parler du même ton aux doctes et aux écoliers », dans le vocabulaire des années 30, avec la même exigence, oui, assurément, du même ton, non. Et c'est pour ça que je suis très, au fond, attaché à ces questions de l'adresse. Cette idée que si on veut faire un livre, il faut qu'il délivre, c'est le cas de le dire, ce que la forme même du livre peut offrir de mieux. À la radio, on a mieux à faire que de lire doctement quelque chose de déjà écrit. On doit parler. Et lorsque la télévision n'est que de la radio filmée, alors elle ne rend pas compte de ce qu'elle peut donner de meilleur. Donc à chaque média, ses exigences. Et j'avais effectivement fait une
proposition télévisuelle qui passait par l'image. Il n'était pas du tout évident qu'elle doive s'achever dans un livre, et certainement pas que le livre en soit la novélisation, comme on dit vilainement, en tout cas nullement un produit dérivé. Donc, fallait inventer quelque chose d'autre. Avec au cœur de ce livre-là et aussi des émissions, il y avait ce lien, enfin, cette distinction et en même temps ce lien que vous faites entre apprendre et comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut délivrer un savoir positif, comme on disait, c'est-à-dire des données, des informations, et vous le faites et on apprend mille choses dans ce livre, et en même temps, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a, et ça, c'est une distinction à laquelle vous êtes, je crois, extrêmement attaché. Oui, parce que comme prof, et je ne cache pas qu'il y a dans ce livre quelque chose qui se ramène, qui renvoie à ma pratique de prof. Le plaisir le plus vif, c'est moins d'apprendre des choses que de faire comprendre par n'importe quelle histoire qu'on raconte une forme, je dirais, de rapport au temps, à l'événement, à la durée, à la période, qu'est-ce que c'est qu'attendre, espérer, craindre, être en suspens, enfin toutes les catégories du temps que j'essaye de présenter, d'exposer dans ce livre. Au fond, on peut raconter ce que c'est que l'histoire avec n'importe quel type d'histoire, hein, pas forcément les histoires effectivement des rois, des reines, des batailles et des grands capitaines, mais avec n'importe quel type d'histoire, l'une ne vaut pas plus que l'autre. Eh bien, on peut faire comprendre ce que c'est que l'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que l'histoire publique, c'est aussi s'affronter à d'autres mises en présence du passé. Et il n'y a pas que les historiens qui articulent des discours sur le temps qui passe. Il y a des artistes, des hommes politiques aussi. À eux, on doit dire effectivement qu'ils ont sans doute tous les droits, y compris celui d'articuler sur le passé un discours qu'on espère être un discours d'avenir. Voilà, ils ne parlent que de ça. Mais que ce qu'ils disent n'a pas le même rapport au passé, n'a pas le même régime de vérité, comme on dit, que ce qu'un historien pourrait dire. Pourquoi ? Ben parce qu'il travaille directement sur les choses dont il parle. Oui, mais moi, non, pas là-dedans. J'ai tenté de le faire comprendre dans l'histoire mondiale de la France, mais c'était un livre collectif où chacun et chacune écrivait sur sa spécialité. Là, j'ai fait écrire des gens sur leur spécialité, et ensuite, je tente d'être l'historien du passage d'une histoire à l'autre, on en reparlera peut-être, ce qui complète au fond ma définition de l'historien. Et historien, celui ou celle qui, au fond, produit des savoirs nouveaux à partir d'un rapport direct aux sources et sait le rendre partageable, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a un regard historique sur les choses, sur le temps, sur la condition historique, qui n'est pas seulement historien de ce qu'il sait directement. Et c'est cet écart que j'ai voulu tenter d'explorer. Et à partir de là, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est aussi une autre idée qui est très importante, qui est vous réintroduisez énormément la notion de contingence, justement, par rapport à l'histoire. C'est que l'idée, la façon dont vous faites de l'histoire, c'est aussi de montrer, et c'est aussi pour la raison pour laquelle, dans ce livre, on n'est pas sur un déroulement chronologique, on ne va pas de Lascaux à Mandela, qui sont les deux dates les plus écartées du livre, mais vous les avez rassemblées sous des notions d'événements sur lesquelles on reviendra. Mais c'est aussi une façon d'introduire, effectivement, de rappeler le fait que les événements qui ont lieu, ou les dates qui ont lieu à un moment donné, ont une dimension contingente, il aurait pu en être autrement, et il faut sortir d'une espèce de vision extrêmement linéaire de la flèche du temps où on va d'un point A vers un point B. Et ça aussi, c'est le travail de l'historien en tant qu'historien, et oui, justement pour lutter contre l'idée de on est passé effectivement des Mérovingiens aux Carolingiens, et puis après tout se passe bien jusqu'à la Révolution française. Et ça, c'est une notion très importante pour vous. Oui, vous avez raison, 30 dates, puisqu'il y a 30 histoires racontées, c'est comme un recueil de nouvelles en somme, avec 30 intrigues qui ont chacun leur propre personnage, leur propre lieu, leur propre temporalité. 30 dates, ce n'est pas assez pour faire un abrégé de l'histoire du monde. Donc si on les mettait bout à bout, ça ferait un guet où chaque caillou est trop espacé de l'autre pour pouvoir traverser à pied sec le cours du temps. Donc il fallait les rassembler différemment. Et je les ai rassemblés par assonance, par ressemblance, par d'une certaine manière
thématiquement, je dirais, c'est-à-dire quels sont les événements qui font, c'est comme ça que ça commence, qui sont les années zéro, enfin ce qui est, ce qui fonde ou refonde une ère ou une période, quels sont ceux qui n'apparaissent que lentement à l'issue d'un lent travail de mémoire, et alors la date, c'est pas seulement qu'elle est sûre ou pas sûre, c'est qu'on peut se poser la question de quand date la date, et au fond, ce qui m'intéressait, c'est pas de faire, c'est de raconter des histoires. Hein, ça, je peux dire simplement que c'est peut-être mon livre le plus narratif, le plus simplement narratif, et donc celui qui vise le public le plus large. Mais en même temps, et ça peut paraître contradictoire, c'est celui où je livre ma vision, disons. Donc en ceci, il est assez personnel de ce que c'est que, pour dire un gros mot, l'épistémologie de l'histoire. Donc ça serait le livre le plus épistémologique et le plus grand public. Comment concilier cette apparente contradiction? Peut-être en disant que, au fond, j'ai pas envie de disserter sur ce que c'est qu'un événement, mais de rappeler que ça nous touche toutes et tous, que c'est une question non pas de discipline historique, mais de condition historique. C'est-à-dire, chacun sait ce que c'est que de ressentir à un moment donné, dans des événements privés, mais pas seulement, parfois des événements publics nous rentrent littéralement dans le corps, ce que c'est que de ressentir avec une évidence infaillible qui ne supporte pas la contradiction, qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. Que telle date, tel moment, telle année puisse être importante dans ma vie, je peux le comprendre plus tard, je peux en faire le bilan. Ça ne sera que, au fond, l'ombre projetée dans une existence d'une réflexion, d'une mémoire. Et on dira, avec l'historien du contemporain Pierre Laborie, l'événement est ce qui advient de ce qui est advenu. C'est plus tard qu'on se rend compte tout ce que ça a changé. Mais parfois, non. Parfois, ça vous saisit. Je me souviens j'ai toujours entendu mes parents dire « Je me souviens de l'endroit exact où j'étais lorsque j'ai appris la mort de Kennedy. » C'est intéressant. Ça veut pas dire seulement « Je me souviens de ce jour ». Ça veut dire « Je me souviens de l'endroit où ça m'a saisi. » Et cette conjonction entre du temps et de l'espace, ça a eu lieu, qu'on reçoit pas forcément si, parce qu'on y est, on peut le recevoir par écho ou par à-coup devant son écran de télévision ou de portable aujourd'hui, eh bien ça pose effectivement cette question qui est en fait très concrète, très partageable, voilà, et qui n'est pas simplement la question des historiens, qui est la question effectivement de nous toutes et tous qui vivons en société. Mais à partir de là, et je pense que c'est aussi la distinction que vous faites entre la date et l'événement, qu'est-ce qui va justement faire que quelque chose va changer dans la date du quotidien où nous sommes, qui fait que peut-être que personne ne se souviendra du 6 décembre 2022, mais qui fait qu'il se passe quelque chose dans le continuum historique? Est-ce que c'est la façon dont la société et un nombre d'individus est suffisamment touché pour qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est des modifications d'un autre ordre? Qu'est-ce qui, selon vous, justement, transforme la date en événement? Alors c'est là où il faudrait commencer effectivement à faire des typologies. Une chose est certaine, c'est que on a très envie, lorsque quelque chose se passe, de demander aux historiennes et aux historiens, est-ce que c'est un événement historique, est-ce que ça va changer quelque chose, etc. Et en règle générale, ils disent juste poliment, attendons un peu. Sauf que effectivement, quand, pour prendre l'année 2022 qui s'achève, il y a eu quand même toute une série d'événements qui s'enchaînaient, qui faisaient sens. Est-ce que et que malgré tout le monde a compris lorsque voilà le 4 février, lorsque la Russie de Poutine envahit l'Ukraine, que non seulement c'est un événement voilà qui est lointain, quoique européen, qui aura des répercussions sur nos vies directement, bon, ça continue, et qui, de toute façon, blesse quelque chose de la conscience européenne et en fait universelle. Donc, c'est, au fond, là,
la frontière qu'on cherche si vaillamment à défendre entre le privé et le public, entre ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, s'effondre. Et c'est peut-être la définition d'un événement, c'est-à-dire qu'on n'y échappe pas, d'une certaine manière. Mais ça, c'est un événement qui est cinglant. Alors j'en donne quelques exemples. Vous faisiez allusion à Nelson Mandela. Bon, ben voilà, beaucoup de gens étaient quand même devant la télé lorsqu'en 1991, il sort de prison et on comprend bien que quelque chose se passe dans le monde de l'autre côté du monde, mais qui va concerner l'ensemble du monde. Mais d'autres événements finissent par le devenir à l'issue d'un travail de mémoire ou même d'entrepreneur de mémoire. Le 17 octobre 1961, c'est un autre exemple contemporain, le moment donc où une manifestation du FLN à Paris est réprimée et au point que, voilà, c'est un massacre colonial au cœur de Paris qui a longtemps été tué par les pouvoirs publics et qui a, au fond, alimenté une mémoire qui était une mémoire lente, souterraine, concurrencée par d'autres plus systématiquement mises en avant, comme en février 62, le massacre de Charonne. Mais aujourd'hui, on est presque à une inversion de mémoire, c'est-à-dire qu'on se souvient davantage du 17 octobre 61, parce que les entrepreneurs de mémoire sont là aussi. Donc, au fond, un événement se reconnaît aussi au fait que dès qu'il advient, eh bien, une bataille pour l'interprétation ou pour simplement le souvenir se met en place immédiatement. Hein, je le montre sur 1492, sur une année, un événement de longue durée, ou, je ne sais pas, sur l'assassinat d'Henri IV. Assassinat d'Henri IV, comme souvent d'ailleurs des assassinats, je faisais des chefs d'État, je faisais allusion à Kennedy. Le sens de l'événement se décide très vite. Est-ce que c'est d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est-à-dire que là il y a une sorte de suspense qui est, on voit très bien que au fond on en est toujours là. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est un loup solitaire, comme on dirait aujourd'hui, hein, un illuminé, et dans ce cas-là, ben, désolé, c'est un fanatique, ou est-ce que c'est un complot international, ou est-ce que c'est les deux? C'est souvent les deux, mais on va décider les pouvoirs pour éteindre l'incendie de l'événement, on va décider de ce sur quoi on va insister. Et il y a une sorte de politique de l'image, par exemple, alors là concrètement, hein, on fait circuler des gravures et le livre, voilà, parle, lorsque c'est 1492, ce sont des peintures d'histoire, lorsque c'est 1610, ce sont des gravures, 1848, ce sont des photographies, et Mandela, c'est la télévision. Donc il y a, d'une certaine manière, les différents médias sont convoqués pour, au fond, faire immédiatement image de ce qui est en train d'arriver. Oui, ça, pour le coup, par rapport à deux choses que vous venez d'évoquer, c'est présent tout le long du livre, c'est la question du rapport entre l'histoire et l'oubli, et comment, dans un certain nombre de cas, c'est l'oubli qui fait l'histoire. Alors, ce que vous dites très bien à propos d'octobre 61, c'est-à-dire que dans un État moderne qui était l'État français de 61, tout laisse des traces. Donc, effectivement, il y a un moment, dès lors que la machine du savoir, alors qui d'ailleurs, dans le cas de 61, arrive d'abord plutôt par des journalistes, oui, puis après par des historiens, se met en branle, et qu'on va voir dans les morgues, etc., on retrouve les traces qui ont été laissées par ceux qu'on a voulu oublier. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous mettez cet événement en parallèle dans le même justement groupe d'événements avec la question d'Akhenaton et qui est un cas aussi assez fascinant, puisque c'est un cas où on essaie d'organiser un oubli de ce qui est chronologiquement dans l'immense longue durée des dynasties égyptiennes, un moment extrêmement étroit, et vous montrer comment finalement c'est l'oubli qu'on a voulu organiser autour de cette figure extrêmement transgressive qui va faire que finalement elle va prendre une place peut-être disproportionné même dans l'histoire, dans la représentation plutôt, de l'histoire qu'on a de l'Égypte ancienne. C'est très exactement ce que vous dites. On avait envie de raconter l'histoire d'Akhenaton, donc, qui est un pharaon du 14e, moitié du 14e siècle avant notre ère, qui a cette
caractéristique effectivement aberrante dans l'histoire pharaonique d'avoir voulu exalter le culte solaire d'Aton, qui était un dieu unique qui a fait chuter donc les dieux égyptiens du Panthéon, et dont on dit généralement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons pour simplifier, que c'est le premier éclair du monothéisme. Bon, voilà. Et donc, ce moment aberrant dans l'histoire de la religion et du pouvoir égyptien, sur le moment, n'a pas de postérité, puisque, effectivement, on va effacer jusqu'au nom même d'Akhenaton. Mais ensuite, effectivement, il y a la question de savoir quel rapport il y a entre Akhenaton et Moïse, par exemple. Et c'est le grand égyptologue Yann Asman qui a écrit un des livres les plus magnifiques, en fait, sur ce que c'est que la mémoire, qui s'appelle Moïse l'Égyptien. Mais je pourrais aussi parler de Freud, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en 1938, quand Freud écrit sur l'homme Moïse et le monothéisme, on peut se dire que finalement, il aurait mieux à faire que de s'intéresser, de se perdre dans les dédales de l'égyptologie. Il a un cancer de la mâchoire, il est en train de mourir, il est en exil à Londres, il voit arriver la guerre, le nazisme, et il se pose évidemment la question terrible de pourquoi l'Europe est-elle les Juifs. Et il a cette intuition que l'histoire est là, qu'il ne s'agit pas de résoudre les énigmes du passé, mais de résoudre les énigmes du présent, donc en l'occurrence pour lui l'antisémitisme, dont la résolution se trouve dans le passé. Et donc ça crée les conditions effectivement d'une enquête. Donc, ça tombe bien parce que les enquêtes c'est plutôt rigolo à raconter, et que moi j'essaye à la fois de raconter une histoire et de raconter comment on peut la raconter pour que, au fond, la lectrice ou le lecteur s'attache au personnage du détective, de l'enquêteur. On sait bien que dans tout roman policier, quand il y a une scène de crime, le meurtrier finira toujours par revenir sur les lieux du crime, ne serait-ce que pour essayer d'effacer les traces. Il n'y arrivera jamais. Et le fait même d'avoir voulu les effacer en laissera d'autres. Ça peut paraître très abstrait. Mais en fait, justement, c'est archivistique. Alors, le cas d'Akhenaton est marrant, puisque effectivement, si je vous dis quels sont les pharaons, pas vous, parce que vous êtes très cultivé, mais enfin, disons, bon, voilà, dans la rue, quels sont qui vous connaissez comme pharaon, donc Ramsès II, Toutankhamon, ou Néfertiti, la femme d'Akhenaton, tout ça se déroule en 40 ou 50 ans, ça représente 1% des 3000 ans. De la civilisation pharaonique, et ce sont les pharaons les plus aberrants, et on s'en souvient parce qu'on a voulu les oublier. Voilà. Et le 17 octobre 61, d'une certaine manière, c'est la même chose. Ce qui a deux conséquences, une, je dirais, morale, que Walter Benjamin un philosophe allemand qui m'inspire beaucoup, dont il a fait sa philosophie, rien n'est jamais perdu pour l'histoire. On n'efface jamais les traces. Il y a toujours quelque chose qui reste, et donc il y a toujours une histoire à raconter. Et puis une leçon de méthode pour les historiennes et les historiens, qui est que voilà, moi les entreprises qui sont des entreprises d'amnésie, d'oubli, ne réussissent jamais. Voilà, comme ça, on pourrait en trouver plein d'exemples. Je suis médiéviste, pour vous raconter comment, à un moment, Saint-Bonaventure, l'ordre franciscain veut supprimer toutes les vies de François antérieures à la vie de Saint-Bonaventure, et ils vont couvent par couvent chercher des livres, les brûler, etc. Ils en chopent quelques-uns, mais on ne chope jamais tous. Voilà. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Et là, je suis un historien, je reviens au 17 octobre, de Emmanuel Blanchard, qui montre comment, pour la raison que vous dites, en République,
on ne fait pas disparaître des corps. Voilà. Donc, tous les Algériens qui ont été tués, pas seulement noyés, tués, bon, ils se retrouvent quelque part dans le carré des indésirables ou des anonymes du cimetière de Thiers. Et il faut quand même trouver des médecins qui disent, voilà, corps non identifié, cause de la mort inconnue. Mais ça laisse quand même des traces dans le registre, au moins du cimetière de Thiers. Et alors après, on ne peut jamais dire que c'est eux à tous les coups. Mais enfin, simplement, à partir du 18-19 octobre, on peut dire au moins qu'il y a une surmortalité. Voilà. Et donc, à partir de là, évidemment, l'histoire des indices peut se nouer. Et alors, c'est effectivement tout à fait opportun que vous évoquiez Freud à double titre, parce que on sait à quel point il avait lui-même donc une passion pour l'archéologie, et à quel point l'archéologie est la grande métaphore du travail analytique. Oui. Et ce que vous dites en préface du livre, c'est aussi que l'archéologie, c'est le moment où un temps ancien vient faire jour dans un temps autre que le sien, dans un temps contemporain. Donc c'est le symptôme même de l'entremêlement des temps. Et ce que vous dites aussi dans la préface aux questions, quand vous évoquez le fait avec ce jeu de mots de défriser l'histoire, c'est de montrer à quel point les temps sont mêlés. C'est-à-dire que typiquement, et ça c'est le très beau diptyque que vous faites autour de Pompéi et d'Angkor, c'est-à-dire qu'effectivement, quel est le temps que l'on trouve au moment où l'on le découvre. Et vous dites que par ailleurs, la découverte de Lascaux, par exemple, c'est une découverte qui est beaucoup plus contemporaine finalement et qui dit beaucoup plus de choses sur les années 40 et le septembre 40, au moment où la grotte est inventée, oui, comme disent les, oui, archéologues, que finalement la longue durée véritable de ce qu'on y découvre. Alors qu'à l'inverse, comme vous l'évoquez aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, Mandela, c'est un autre temps qui est évoqué, qui est le temps très long et très entremêlé lui-même de la colonisation d'Afrique du Sud. Et donc, cette dimension archéologique que vous évoquez à nombreuses reprises dans le livre, elle est là aussi, puisque l'archéologie, à la fois, c'est l'indice, c'est sans arrêt, on est dans une logique d'enquête, et en même temps, c'est qu'est-ce que ce temps qui n'est pas notre temps vient faire dans notre temps, sous nos pieds, finalement. C'est exactement ça. Quand on est petit, on a plus de chances de vouloir être archéologue qu'historien. Ça a été mon cas aussi. Et je pense quand même l'histoire sur le motif ou la métaphore peut-être archéologique, qui est un peu plus qu'une métaphore pour moi, parce que je l'ai pratiqué en amateur, mais je l'ai quand même pratiqué. Je me rends compte que beaucoup de ces chapitres, vous le dites, sur Angkor, sur Pompéi, sur Lascaux, sur Hiroshima aussi, d'une certaine manière, avec cette question de... Voilà, d'une catastrophe aux coordonnées exactes, à l'heure près, à la minute près, à la seconde près, qui est d'une certaine manière l'équivalent de Pompéi, y compris avec les inversions, vous savez, les fameuses voilà, inversions photographiques ou négatives des corps qu'on retrouve soit projetés sur les murs, soit coulés dans la cendre. Et puis, il y en a même d'autres, il y a un chapitre sur sur le sac du palais d'été de Pékin en 1860 qui met en jeu la question de la ruine, qui est aussi un motif. Bien sûr que ce qu'il y a d'absolument bouleversant à Pompéi, tout le monde le sait, mais bon, c'est que l'archéologie, normalement, va chercher des différents niveaux d'occupation de sol qui sont sans cesse recomposés. Bon, il est sous la ville moderne, il y a la ville médiévale, etc. Alors là, comme de toute façon la vie s'arrête à Pompéi un jour près, les archéologues arrivent de toute façon à un sol sur plusieurs hectares qui est le même, qui est celui où effectivement quelqu'un est mort, mais aussi un cheval, mais cette coupe est tombée. Donc il faut imaginer si ça a à voir effectivement avec la peur atomique, si on est à un moment donné tous vitrifiés, on a une sorte de d'arrêt sur image. Alors ce qui est extraordinaire dans Pompéi, c'est que c'est une ville
qui est une ville un peu atypique du point de vue des cités, de la cité romaine. Donc après, voilà, qui n'est pas tout à fait une cité romaine d'ailleurs, il ne parlait pas latin, etc. Bon, hein. Donc ça veut dire que les historiennes et les historiens de métier doivent savent tout sur Pompéi, mais c'est pas forcément la bonne ville. Bon, c'est celle qui a été détruite. Donc, quand l'histoire fait date, là, en l'occurrence, le fait que une petite cité de Campanie, voilà, disparaisse sous les cendres du Vésuve, est un fait divers pour l'Empire romain. Mais c'est un événement de connaissance, puisque c'est depuis cet endroit-là qu'on sait beaucoup de choses sur la ville romaine. Et vous avez raison, ça a à voir aussi avec, avec la psychologie. Bien sûr que vous faites allusion à cette correspondance magnifique de Freud à Rome, qui effectivement voilà, parcourt les ruines antiques en disant « mais rien ne ressemble plus à un cerveau, à un état mental qu'une ville ruiné. » Et pour défriser le cours du temps, alors au début, les dates, je finis par les rassembler dans 10 manières de créer l'événement. Mais dans un premier temps, je les étale sur la planisphère. Ensuite, je les mets sur une frise, mais qui n'est pas horizontale, qui est verticale, exactement comme une coupe sédimentaire. Vous voyez, donc effectivement, le plus ancien et au plus profond. Sauf que c'est se faire une idée bien sommaire de l'archéologie de penser que le plus profond est le plus ancien. Oui, en gros. Mais il y a des mouvements de terrain, il y a des rémanences, il y a des résurgences qui font remonter des épisodes anciens devant ou au-dessus d'épisodes plus récents. Et notre mémoire est faite ainsi. Nous avons des événements qui sont anciens, qui sont plus présents dans notre mémoire, parce que ce sont des deuils, parce que ce sont des joies particulières, en tout cas des formes plus intenses d'existence, que un sage étagement du temps. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les mettre sur une... verticalement, comme ça. Vous savez, voyez dans souvent dans les villes ou sur les ponts, il y a une échelle de crue. Et cette échelle de crue, elle ne ressemble pas du tout au trait que l'on met au chambranle des chambres d'enfants, qui sont des traits de croissance, où là, effectivement, un enfant grandit. Donc, on dit 8 ans, 9 ans. Alors, si on mettait, voilà, on peut mettre 2010, 2011. Voilà. Mais une échelle de crue, c'est 1911, c'est le maximum, 1920, 1853, etc. Et l'histoire, c'est comme ça. Ce sont des débordements. Et notre histoire psychologique, notre vie psychique, c'est comme ça aussi. Quand ça déborde, y a une crue qui monte bien plus haut que elle peut être ancienne que celle qui la précédait. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait défriser le cours du temps pour montrer ces événements de longue durée. Et ce que vous montrez aussi, et ce qui est très important là, dans le cadre des deux chapitres sur Pompéi et encore, c'est justement ce que l'histoire en fait et les différents moments même du traitement historique et du savoir par rapport à ces deux villes. Puisque, que ce soit dans Pompéi, où on est, dans un premier temps, dans une obsession un peu fixiste, comme on a le sentiment de découvrir ce que c'est véritablement, c'est-à-dire que tout s'est figé, à un moment donné, ça ne bougera plus, donc c'est tel qu'ils étaient. Et ce que vous montrez, c'est à quel point, en faisant ça, on ne se rend pas compte que la ville, au moment où elle a été fixée, elle était en mouvement, vers des tensions politiques, vers des conflits sociaux, ce type de choses. Et à l'inverse, si on prend encore, ce que vous montrez très bien aussi, c'est comment, encore finalement, ce qui est important dans la réception historique, jusqu'à un certain point, il faut attendre longtemps pour qu'un véritable savoir s'établisse sur ce qu'il y a encore. D'abord, si on se dit, mais voilà, c'est typiquement ce qu'on a tous appris, c'est-à-dire grandeur et décadence, la chute d'un empire, la déliquescence, l'absence des ruines, et vous montrez cette chose absolument fascinante, qui est que c'est plus probablement parce qu'on va changer les modes de construction
qu'il y a un moment, ça s'arrête dans les traces qui sont laissées. Et ça, sur ce qu'est l'histoire, c'est, pour le coup, c'est, vous êtes au cœur de votre travail. Oui, et puis ça, donc, c'est des histoires, c'est des intrigues de méthode, comme je le disais tout à l'heure, mais sont aussi des imaginaires très puissants. À Pompéi, c'est en, voilà, en travaillant avec les archéologues, on sait tous, hein, voilà, le Vésuve, le 24 août... ou le 24 octobre 79, bon, la vie s'arrête à Pompéi. Bon. Mais ce qu'on sait moins, c'est que cette éruption, bah, comme souvent en sismologie, elle a été précédée de quelques tremblements de terre, voilà, des séismes avec leurs répliques. Notamment, il y en a un en 62, il y en a un en 64, et ceux de 62 et 64 ont quand même bien abîmé la ville. Voilà. Donc, la ville qui est figée en 79 est une ville qui est en train de se reconstruire. Donc concrètement, ça veut dire que il y a des ruines, mais qui peuvent être antérieures. Il y a des peintures, mais qui sont en train d'être refaites. Et c'est pour ça d'ailleurs que la sociologie de la ville telle qu'elle est figée à ce moment-là, elle ne correspond pas exactement à une année ordinaire, parce que les propriétaires, ils se sont cassés, hein, pendant que les ouvriers travaillent dans leur grande villa, ils sont ailleurs. Et c'est quand même beaucoup des ouvriers qui étaient là pour réparer des maisons qui meurent. Et comme à Hiroshima, d'ailleurs, il y a les morts oubliés de Hiroshima, c'est les 5000 Coréens ouvriers qui travaillaient pour le complexe militaro-industriel japonais. Bon, à Hong Kong, là, on est dans une autre, un autre imaginaire de la ruine. On attend, nous, Européens, que les décombres nous délivrent une leçon sur les grandeurs perdues, les empires qui chutent, et d'une manière générale, sur la vanité de la gloire politique. Voilà, c'est ça, une ruine. Ça sert à ça. Ça sert à nous faire la leçon depuis le passé sur la fragilité de notre avenir. Bon. Il se trouve que dans un autre système culturel, comme là en l'occurrence chez les Khmers anciens, le bouddhisme, mais c'est pas le même. Il y a le bouddhisme dit du petit véhicule qui est en train effectivement de remplacer un bouddhisme plus plus cérémonieux et plus hiérarchique, hiératique. Entre le 13e et le 15e siècle, qui fait que on s'attend à nous, Européens, depuis que on visite ces régions au Cambodge depuis les années 1860, je lisais les romans de Patrick Deville pour ça, Kampuchea, on s'attend à voir encore les ruines d'une civilisation. C'en est une assurément. La ville, effectivement, n'est pas au 15e siècle ce qu'elle était au 12e siècle, mais elle n'a pas nécessairement été mise à bas par une armée étrangère, thaï ou autre. Ce qu'on montre, ce que les archéologues montrent aujourd'hui, c'est que ce qu'on prend pour un drame, c'est-à-dire l'étreinte végétale de monuments qui sont sont gagnés par la jungle, et peut-être un changement dans la condition historique de ces sociétés qui sont travaillées par en fait la beauté de l'impermanence. Voilà, parce que c'est ça le nouveau bouddhisme, c'est d'une certaine manière, à un moment donné, il cesse de construire en pierre pour construire en bois, et c'est et donc ça disparaît. Et mais c'est normal que ça disparaisse. Et c'est pas une perte. Voilà. C'est extraordinaire quand même, parce que, par exemple, il n'y a aucune raison de penser que les sociétés khmères n'aient pas développé une tradition littéraire aussi puissante que, je sais pas, l'Inde védique, par exemple. Voilà. Simplement, et on le voit bien avec les inscriptions, qui sont les seuls textes qui demeurent, les inscriptions poétiques incroyablement raffinées sur les temples khmer. Mais il y a une rupture de transmission totale. Totale. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a aucun texte. Et pourquoi ? C'est pas passé une catastrophe, mais c'est juste que
Cette littérature était gravée sur des feuilles de latanier qui, dans sous ces climats-là, disparaissent tous les 100 ans. Et donc, il faut simplement les réécrire. Et il y a un moment, on a cessé de réécrire, au XVIIe siècle, probablement. Et donc, ça a sombré, comme aurait pu sombrer assez facilement toute la littérature gréco-romaine. Je veux dire, c'est pas passé très loin. Ce qu'on appelle Platon, Aristote, Sénèque, etc. Il n'y a pas un manuscrit qui est antérieur au 8e siècle, enfin au carolingien. Donc, c'est simplement parce qu'on a continué à les copier, et puis parce que le support est pérenne. Donc c'est aussi une histoire matérielle de la mémoire. Oui, et puis comme vous le dites, c'est le à propos de l'épisode du procès de Socrate, c'est l'oubli qui commande à la mémoire. C'est-à-dire que effectivement, c'est à partir des zones d'oubli, de ce qui échappe à ces zones d'oubli, ou d'ailleurs n'y échappe pas, qu'on va construire une mémoire, quitte à la saturer. Alors c'est l'exemple que vous donnez avec Alésia, où pour le coup, les traces sont relativement ténues. Alors, textuelles, elles sont extrêmement ténues, puisque c'est donc les quelques lignes de la guerre des Gaules. C'est au final quelques éléments archéologiques, et c'est surtout une sursaturation par une nécessité, surtout au 19e, d'inventer une mémoire, de la figer, de lui donner un sens politique, de construire des statuts. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que finalement, l'événement, il est là. Il n'est pas dans Alésia lui-même, qui est un événement probablement assez mineur. Oui. Il est dans la fabrication de l'événement, qui est l'une des grandes passions pour le coup du 19e, avec l'invention des traditions nationales. C'est ça. Et donc la tentation, effectivement, sur ces c'est amusant aussi de raconter des histoires qui s'entremêlent avec la mémoire, de faire en même temps de l'histoire et de l'historiographie, c'est de considérer que finalement la vraie date, comme vous le disiez, de Lascaux, c'est l'invention en 1940, et que au fond Alésia, Vercingétorix, ne devient vraiment Vercingétorix que avec le Second Empire, la passion que Napoléon III a eue pour cette histoire. Il a voulu réécrire la guerre des Gaules, et puis il y a ce moment qui est un moment presque providentiel après Sedan, après 1870, où ça devient très intéressant pour la France de raconter des histoires de défaites civilisatrices, où celui qui perd la guerre finit par gagner culturellement, et comme le disait Horace, des Grecs vaincus par les Romains, que finit par les vainqueurs sont conquis par leur conquête. Bon, donc on peut dire franchement, Vercingétorix avant le 19e siècle, c'est pas grand chose, au sens d'ailleurs que par exemple, pour un historien comme Michelet, c'est même pas un homme. Vercingétorix, ça veut dire le roi des rois, le plus vaillant des rois. Bon. Donc, Michelet, quand il parle des guerres des Gaules, il dit Jules César a vaincu le Vercingétorix ou les rois. Bon, voilà. Ça devient effectivement Vercingétorix contre César. Ça devient effectivement une gigantomachie efficace au 19e siècle. Bon, mais on peut pas faire seulement toujours l'histoire au second degré. Voilà, parce que si je vous dis les Gaulois, ils n'ont pas vraiment existé comme on le pense, mais enfin, on a quand même des images, Astérix, tout ça. Bon. Donc, on a quand même envie qu'on nous raconte quelque chose sur Alésia, le site, contrairement une opération assez rondement menée de révisionnisme historique systématique, on sait en gros où ça a eu lieu. Bon, voilà. Et donc, ça laisse quand même des traces. Mais évidemment, elles sont plus ténues que ce qu'on en fait. Bon, cela dit, on a quand même un épisode sur la crucifixion de Jésus. Bon. Et on va pas non plus faire les malins avec la crucifixion de Jésus. C'est un fait de croyance. Le dossier historique est assez mince. L'événement Jésus
est un... Alors là, c'est même pas un fait divers dans l'histoire de l'Empire romain. Enfin, je veux dire, aucun historien romain, sauf Flavius Joseph, mais qui est justement pour des raisons particulières, n'y prête attention. Et on sait très bien que on a effectivement cet écart de mémoire que dans le royaume, Emmanuel Carrère a magnifiquement thématisé de 70 ans, en gros, où effectivement ça commence à devenir un événement, 30 ans après sa mort. Bon, c'est exactement d'ailleurs le même délai, si j'ose dire, que pour cet autre fondateur de religion qu'est Mohammed. Bon, voilà. S'obstine à appeler Mahomet, alors qu'il s'appelle, comme tout le monde, Mohammed. Bon, voilà. Mohammed. Bon. Donc, voilà. Je trouve ça quand même intéressant, même quand on a une histoire dont la légende est plus forte, de tenter quand même de raconter l'histoire. Bien sûr. Avec ce que vous évoquez qui est très important, qui est aussi une idée de révolution du regard. Et alors ça, vous le manifestez à l'occasion d'un épisode qui est donc le pèlerinage du roi du Mali, Mansa Moussa, et qui est pour le coup là un épisode extrêmement documenté dans lequel il y a un certain nombre de traces. Mais alors ça, c'est un article que vous avez écrit pour le coup avec le concours de Xavier Fauvel, et dans lequel vous montrez très bien que c'est plutôt le fait que notre regard n'est pas centré à cet endroit-là de la carte, donc ne va pas voir ces archives-là, considère que globalement, il n'y a quasiment pas d'histoire médiévale de l'Afrique. Alors évidemment, pour le coup, Xavier Fauvel a assez œuvré en ce sens pour montrer que ce n'était pas le cas, et comment, en allant y voir, non seulement on découvre des sources, mais surtout on se rend compte que l'ensemble des représentations qu'on peut avoir, si jamais on en a, sont très différentes de celles qu'on a finalement. Oui, le roi du Mali, Mansa Moussa, il est sur la classe catalan qui est l'œuvre encyclopédique, enfin qui disons récapitule les grands savoirs géographiques de l'Europe, de la Méditerranée autour de 1380. Par des cartographes mallorquins, vraisemblablement juifs, et qui se trouvent à la librairie du Louvre du roi Charles V, dit le Sage. Donc c'est une carte très, très connue, où on voit qu'il y a des rois couronnés, ils ont tout ce qu'il faut, des couronnes, des sceptres et des fleurs de lys pour bien faire comprendre ceux qui le regardent, donc en l'occurrence français, ce sont des rois qui sont dans le Sahara, ils sont noirs de peau et il y en a un qui tient une boule d'or parce que il semble, c'est le roi du Mali, il semble tenir au fond, savoir où est l'or, ce qui évidemment est un secret très bien gardé pour ces états courtiers qui commercent avec les voyageurs arabes qui font l'interface dans la Méditerranée. Et c'est à partir des voyageurs arabes, davantage que cette cartographie européenne, qu'on saisit Mansa Moussa. Les chroniqueurs et voyageurs arabes, ils, le plus souvent, pas toujours, mais ils écrivent, comme d'ailleurs les Européens, soit des chroniques, soit des annales. Chroniques, on raconte des histoires, on prend un roi et on essaye de savoir à quelle date il a fait tel ou tel événement. Les annales, comme leur nom l'indique, à chaque année son événement. Donc on essaye de trouver quel est, un peu comme bientôt nos quotidiens vont faire le bilan de 2022, de quoi on doit se souvenir en 1324. Et bien pour l'ensemble des analystes de langue arabe, qu'ils soient syriens, égyptien, globalement dans cet état qu'on appelle Mamelouk, qui est extrêmement puissant à ce moment-là, qui est la grande puissance méditerranéenne et qui a une forte capacité d'enregistrement documentaire, le grand événement de l'islam en 1324, c'est qu'on a vu au Caire un roi qui s'appelait Mansa Moussa, qui était noir de peau, qui était
qui parlait très bien l'arabe, qui était très riche, qui était très savant, qui était très pieux parce qu'il allait à la Mecque et qui était apparemment incroyablement puissant, puisqu'il a effectivement inondé le Caire de ses présents. Bon. Et donc, en quoi c'est un événement? En quoi ça fait date, le pèlerinage à la Mecque de Mansa Moussa? Alors aujourd'hui, d'ailleurs, la mémoire de cet événement est très importante, puisque, par exemple, parmi les épisodes, avant que ça devienne un livre, c'était donc, comme vous l'avez dit, une émission de télé qui ont été le plus vues. Il y en a, bon, la peste noire, ça d'accord, on comprend pourquoi, mais le pèlerinage de Mansa Moussa, c'est un de nos un des épisodes les plus vus. Bon, parce que ça représente quelque chose, effectivement, aujourd'hui, dans les sociétés africaines ou afro-descendantes, de la fierté, en fait. Bon, voilà. Et puis, si vous voulez même savoir, c'est un héros du rap. Bon, voilà. Il y a toute une instrumentalisation, évidemment, de la richesse du roi du Mali. Mais, au fond, c'est pas vraiment... Ça ne change rien. C'est juste l'histoire d'un musulman qui fait son devoir de musulman. C'est important pour lui d'avoir été à la Mecque. Mais en quoi ça change? Justement, comme ça a été apparemment très spectaculaire, ce voyage, tout le monde s'en est souvenu. Et il part de la capitale du Mali, qu'on ne sait pas situer aujourd'hui. Il arrive à la Mecque, donc traverse le Sahara. Évidemment, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Mais quand il va, quand il est au Caire, il se fait littéralement comme une bagnole sur l'autoroute flasher. Parce que là, il y a plein d'historiens et il rentre dans un phare documentaire. Et là, on sait tout d'un roi malien pendant quelques semaines. Tout. Et puis après, il sort du pinceau documentaire et on sait plus trop ce qui se passe. Jusqu'à la Mecque, où là, il est d'autres sources, le chopent, les sources mécoises. Bon. Et c'est un événement de connaissance. C'est-à-dire que, bon, on le savait avant, mais pour les Égyptiens, donc tout le monde arabe, donc une grande partie de l'Europe, il y a des rois noirs de peau, au Sahara, qui sont riches et puissants et savants. Donc ce ne sont pas que des esclaves. Et ça, c'est une conversion du regard. Voilà. Et c'est bien parce qu'il y a des conditions documentaires qui le rendent possible que ça advient. Peut-être qu'il y a un moment aussi très important dans le livre justement un rassemblement d'événements que vous appelez la traversée des rêves. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure en passant 1492, dont tout le monde sait que c'est une année qui est au-delà du voyage de Colomb et est une année incroyablement riche pour le coup en termes d'annales, mais aussi la donation de Constantin, et qui est une histoire assez passionnante, puisque là c'est comment un texte dont à la fin des fins on comprend qu'il est fabriqué, mais ça à la limite ce que vous montrez qui est très intéressant, c'est que il cesse d'agir quand on sait qu'il est fabriqué, mais donc un texte surgit aux environs, on va dire, du 8e siècle, évoquant la question des rapports entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel à partir d'un texte normalement écrit par Constantin et produit là pour le coup des effets pendant donc quasiment 6 siècles jusqu'au 15e. Et ça, c'est un élément passionnant parce que d'abord, c'est à la fois la culture profondément textuelle de ce moment-là du Moyen-Âge, et c'est comment aussi justement un texte. Qu'importe son statut final, à savoir le fait que c'était ce qu'on appelait une forgerie, c'est-à-dire un faux, ce qui compte finalement, c'est ce qu'il a produit comme effet, au-delà du réel. Oui, on peut dire que le texte le plus productif de l'histoire médiévale est un faux, c'est la donation de Constantin qui a été dévoilée comme forgerie en 1440, mais qui a fonctionné à plein depuis le 12e siècle. C'est censé avoir lieu du temps de Constantin, donc dans les années 315. Constantin est
l'empereur qui, par sa conversion personnelle, eh bien, convertit l'Empire entier, d'accord, et qui aurait donc partagé le dit empire entre deux parts, orientale, occidentale, donnant au pape toute la partie occidentale. Ce serait la donation. Bon. On n'en entend pas parler avant le 8e siècle, et encore très peu. Il n'est vraiment utilisé qu'au 12e siècle, au moment de la querelle des investitures entre le pape et l'empereur. Et ça prend des proportions conflictuelles croissantes, jusqu'à ce qu'un humaniste, Lorenzo Valla, le dévoile pour faux. Dès lors, ce qui est assez intéressant, alors, sur le plan narratif, effectivement, on avait envie de présenter, enfin, dans le film, d'abord de faire un peu un truc à la G. Wells, c'est-à-dire, au départ, de pas dire que c'était un faux, quelques minutes. C'est un peu dangereux, quand même. On n'aime pas trop, malgré tout, ne pas dire la vérité, nous, les historiens. Enfin, ça nous... Il y a un truc pas facile à faire. Mais le contrefactuel est un moyen de connaissance. Je l'utilise deux fois. Je l'utilise aussi lors de justement de cette expo, de cette intrigue chinoise. Comment faire comprendre comprendre ce que c'est que le palais d'été de Pékin, et quel traumatisme pour la Chine encore aujourd'hui. Vous imaginez pas, hein, c'est-à-dire que l'agence Chine Nouvelle en 2019, quand Notre-Dame a brûlé, a fait un communiqué. La Chine déplore, mais n'oublie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça voulait dire qu'il rappelait que le corps expéditionnaire français, avec les Anglais, avait brûlé le palais d'été en 1860. Et comment comprendre effectivement l'ampleur de ce traumatisme? En disant que la cité interdite, c'est, il faut imaginer que c'est Windsor plus la British Library plus le British Museum, que c'est voilà une sorte de récapitulation de tous les savoirs du monde, tous les pouvoirs du monde, etc. Non, à un moment, je fais un premier paragraphe en disant 1860, les troupes chinoises remontent la Tamise, brûlent Buckingham Palace, mettent la reine Victoria à genoux, mettent l'empire britannique sous le joug de la Chine, et le 19e siècle sera chinois. Bon, voilà. En fait, ça s'est pas passé comme ça, mais il s'est passé autre chose qui était également incompréhensible pour les Chinois. Donc, c'est intéressant, effectivement, de faire semblant de considérer que, si je reviens à la donation de Constantin, que c'est pas forcément un faux. Ça le devient à partir du moment où quelqu'un démontre que c'est faux. Et c'est ça qui me plaît, c'est que Lorenzo Valla, quand il démontre la fausseté de cet acte, eh ben c'est comme nous. C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes méthodes. Alors, il ne sait pas dater le faux. Nous, on sait le dater, plus ou moins, de l'époque carolingienne, comme vous l'avez dit. Mais il a critique interne, critique externe. En gros, il dit que que les mots qui sont utilisés dans cet acte, qui est essentiellement du 4e siècle, n'existent pas au 4e siècle. Donc l'histoire même de la langue prouve que... Bon, voilà. Et donc là, c'est ce que Carlo Ginzburg avait montré d'ailleurs dans un très beau texte sur la donation de Constantin, il y a là un rapport critique à l'histoire qui s'invente au 15e siècle. Et c'est là où finalement la donation, elle agit deux fois. C'est-à-dire qu'elle agit une première fois
sur la question de la papauté, et elle agit, ce qui est très beau dans votre texte, une deuxième fois en inventant une forme moderne de l'histoire et de sa méthode critique, justement au moment de la Renaissance humaniste. Et c'est ça qui est aussi l'une des grandes forces, finalement paradoxale, de ce texte-là. Ouais, le coup de force de Lorenzo Valla, c'est de mettre effectivement d'imposer un rapport critique au passé qui va appeler humanisme, qui fonde un peu un pouvoir aussi, qui est le pouvoir intellectuel. Et de ce point de vue-là, à un moment, j'avais pensé, parce que la proposition thématique de ce livre que je détesterais pas au fond voir lire du début à la fin, parce qu'il y a quand même un film, et il y en a peut-être d'autres de temps en temps, à un moment j'avais eu la tentation de le mettre en regard avec le procès de Socrate, parce que là c'est l'inverse, c'est la question du pouvoir intellectuel. Et est-ce que au fond est-ce qu'une démocratie grecque peut supporter le pouvoir intellectuel, ce qui est une question, une vraie question. Écoutez, je pense que c'est une magnifique conclusion, parce que ce livre est riche de mille autres hypothèses. Merci beaucoup, Patrick Bousseron.